Véritable plaque tournante des échanges intercontinentaux, le port autonome de Pointe-Noire est incontournable pour le transport des marchandises en Afrique centrale. Ce port en eau profonde qui s'est fixé pour objectif d'améliorer ses infrastructures d'accueil avec des quais plus lents pour l'arrivée de porte-conteneurs longs de 365 mètres et sa compétitivité a reçu son premier navire en avril 1939, une histoire que le directeur général du port s'est fait le plaisir de raconter. Même si au moment de la construction du port, le ministre français des colonies avait décidé de réduire l'importance de l'ouvrage en raison des restrictions économiques liées à la crise qui sévissait à cette époque. Le port de Pointe-Noire était conçu dès l'origine pour recevoir des extensions futures. Le développement du port se poursuivra suivant cette philosophie qui va consacrer tour à tour l'allongement des digues, l'extension et l'approfondissement des quais, l'érection des quais de logistique pétrolière et la construction progressive des molles. En retraçant ainsi les contours de l'ancien port colonial en pleine modernisation, l'on peut s'arrêter pour contempler l'ouvrage et s'émerveiller devant ce génie des pères fondateurs, génie dans la clarté de leur vision, la justesse de leur choix et le pragmatisme de leurs décisions, génie aussi dans la compétence de leur science, génie enfin dans la générosité de leurs efforts. Le disant, je ne peux ne pas avoir une pensée profonde pour ces colons, ces ouvriers de la première heure, congolais, ubangiens, tchadiens, gabonais, venus de toute l'Afrique équatoriale, sénégalais, dahoméens, togolais, mais aussi de tous ceux de la période des indépendances et des temps modernes. Tous, ils ont donné de leur cœur, de leur force, de leur vertu, de leur personne, pour l'œuvre dont nous fêtons aujourd'hui le 80e anniversaire. 75% des marchandises déchargées au port de Pointe-Noire sont destinées aux ports voisins de l'Angola, de la RDC et du Gabon, confortant son rôle de port de transit. Notre reconnaissance va à l'endroit de l'Union africaine, qui avait déjà anticipé ces enjeux longtemps en avance, par la conception et la mise en œuvre des grands projets structurants, régionaux et sous-régionaux, tels le développement des corridors qui préfigurent déjà la complémentarité des plateformes multimodales. Ces projets, qui sont financés pour la plupart par les bailleurs de fonds et les banques, à qui je voudrais traduire ici toute la gratitude du gouvernement du Congo, renchérissent ces perspectives porteuses. Pour sa part, le gouvernement de la République, conduit par M. Clément Mouamba, Premier ministre, sous la haute autorité du président de la République, s'emploie à le mettre en œuvre dans le cadre du plan national de développement, PND. Au cours de la cérémonie, le chef du gouvernement a décoré plusieurs cadres du port, élevés à différents grades par le chef de l'État. Le port poursuit son plan d'urgence sur 3 ans, fort des conventions de financement passées avec l'Agence française de développement en 2018 et 2019, motivées par la prise en compte des normes environnementales conformes aux standards internationaux.